intervention Gary Conille fait sous RFI, hein? Je pense que Gary Conille pour qu'on comprenne rien à rien. Lestie Voltaire te fait une déclaration ça. Le ça, je te dénonce Lestie Voltaire parce que, à mon avis, c'est une déclaration qui t'est allée à la portée des gangs armés. Qui t'est plus basée, ça, on a regardé là, c'est image Gary Conille qui fait plusieurs rencontres, plusieurs visites. Ici aux États-Unis, monde qui vient participer, etc., dans le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a discuté, dont est là le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ou ministre Manigala en mode bodyguard de Gary Conille. Pas un problème, son pays difficile. Maintenant, écoutez, pendant que Gary Conille a parlé sur RFI, je précisais que ces forces de l'ordre haïtien, on a parlé de la PNH, l'armée, parce que pour la première fois, nouveau ministre de défense qu'il a, l'Ichita parlé avec ambassadeur américain, hein, côté, il a discuté sous affaire l'armée d'Haïti. Ça, c'est un bon point de toute façon, parce que, vous connaissez que Mounsa, vous parlez pas de jambe l'armée, hein. Mais, je dis, il y a un ministre de défense là, qui est nouvellement nommé là, eh ben, M. Chita parlé avec nouvel ambassadeur, et américain qui en Haïti côté dans mi-temps discussion yo affaires sécurité a été débat et surtout affaires l'armée d'Haïti comment capable collaborer établir un partenariat en termes de coopération pour renforcer FADH. Je pense que c'est un bon bagaille. OK, en tout cas maintenant pendant monsieur sous RFI n'a parlé de Gary Conille que n'a regardé sur écran nous. Monsieur dit que, monsieur précisé, même Jean, Lestie Voltaire te dit là, monsieur a parlé sous France 24, parce que n'est-ce pas une impression, depuis a parlé avec la France, il a dit ça ou vle. Il a dit, gen parole, yo pa jam di yo en Haïti facile, kou yo en dehors pays, ou yon parle à un journaliste étranger, yo dit ça ou vle, c'est comme quoi Haïtien pa comprendre yon pa tande yo. Et bien, gede m'de ouè a jodi ya, n'importe langue ou parle Haïtien ka tande parce que gen moyen technologique pour ça. On a un petit jeune là qui développe mon application qui est le langage que me suggère que nous téléchargeons le langage là parce que moi me dit Will qui a parlé de lui mal checké le moi intéressant. Lors dit moi s'il pas bon, il doit faire erreur jusqu'à ce que joigne nous, il faut attendre ou répéter etc. cetera le baoul en créole en langue ou besoin. C'est-à-dire quel que soit la langue ou parler, nous ca joindre ni Google existait pour ça. Eh ben écoutez, j'ai l'impression coup de yo qui Haïti ou bien coup yo parle à un journaliste étranger. Yo maintenant tête yo haïtien qui Haïti pa tande yo mais oublier si haïtien yo gon tete ki la kap décortiquer pou yo carrément monsieur dit que force qui vin là force étrangère kap vini ou bien qui commence vini parce que pas tout ça nous a gen kap vini parce que c'est environ 2500 quoi était supposé c'est pas force ça qui va l'attaquer bandi yo ça monsieur dit a gen sens oui mais pas nécessaire. Gen parole ou dit qui t'apparaît bon mais qui pas nécessaire. Attention hein. Gen en pile bagay ou fait qui bon mais qui pas nécessaire. Me souhaite comprendre ça me dit. Ça veut dire que monsieur gen tan précisé ak patron li, youn nan patron li sou RFI parce que c'est trois patrons qui mènent nous là. Les États-Unis, le Canada, la France. OK? C'est trois gros patrons ça qui mènent Haïti. Ouais, Jean Campé droite devant patron. Donc c'est patron, c'est ça c'est premier patron là. Anthony Blinken qui est là. C'est comme quoi c'est Biden qui en face de la clé. Donc c'est trois patrons ça yo, les États-Unis, le Canada, la France, c'est trois patrons qui mènent. Gen yon influenceuse, un journaliste africaine qui relé yo et la Trinité maléfique. N'te parlé avec yo fois, me souhaite que fon faut parler avec l'autre fois oui cette dame. Africaine que vraiment apprécié qualité intervention lio. Tendez bien. Donc monsieur précisé pour RFI que c'est pas force étrangère là qui pral attaquer gang yo, c'est la police ak l'armée qui pral goumen contre bandi yo. Je continue pour le dire, mission hein, qui donc force étrangère là, mission principale li c'est accompagner PNH là dans cadre opération k'ap mené yo. Et ensuite, reprend contrôle territoire te perdu yo, territoire qui en bas contrôle gang yo. Mais, c'est la police
National d'Haïti ak FADH ki pral goumen kont bandi yo. Ça veut dire la police ak FADH ap batay pou récupérer territoire et puis lè récupérer yo kounye a force étrangère la pral vini di OK la police ou fin pran zone ça mon map tout rete là-dedans pou nèg pa retourner encore. Son pays difficile papa. Mais il y a difficile effectivement nous te dit ça d'ailleurs. Puisque la police c'est eux même qui compte terrain, il y a toujours dans opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force la gen pi bon matériel parce que la police. Si la police te gen moyen force la te gen pas besoin yo. Si yo vin là pour quantité millions parce que qui ça qui passé? Tout ça qu'a fait là c'est pour la protection de ces étrangers. Parce que si un soldat étranger là mouri, tête gars koni a chaud. Li pi facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Que un soldat étranger et peut-être c'est ça l'a évité tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions tu as toujours évité ou bien ou tu as toujours de manière diplomatique alors qu'on connaît en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'on plaît de répéter, le répéter, le répéter. C'est comme quoi, dit bandi, oh ben, monsieur, relax. Nous pas besoin de paniquer. C'est même policier de habitué avec vous. Ou qu'on a un pile là de ses amis nous yoye, qui n'a gang avec nous. Il s'est antenne yoye. D'ailleurs, c'est un pi gros drame qui est dans la police là. Policier qui n'a gang. C'est un pi gros drame qui est dans la police là. Il y a des policiers qui parlent avec qui presque crient. Comme dit Mtete, pi gros drame nous gagne là. C'est des policiers qui avèn, qui n'ont blindé avèn et qui c'est antenne bandi. Mais gen yon bagay qui attire attention que me pas souligner tout à l'heure toujours pendant Gary Koni a parlé de nèg exam qui prend bon parti dans pays a k'ap contrôler et cetera et puis monsieur sous RFI monsieur pas écarté possibilité pour encore négocier avec les gangs armés. Attention hein. Parce que dans l'intervention monsieur fait hein, sous RFI encore une fois monsieur pas écarté possibilité pour les négocier à gang yo toutefois selon ça il dit lui poser des conditions et ça mon dit Dieu dit le poser conditions conditions c'est que faut les mettre zam à terre et cetera et puis respecter l'autorité de l'État. Mais c'est même pas ça que je t'ai dit lorsqu'un journaliste t'a posé la question sous affaire pour le boucaner déjà. Ça veut dire c'est comme quoi monsieur quitter fenêtre ça l'ouvrit fenêtre pour le négocier criminel yo. On me dit Gary Koni. Peut-être Gary Koni ou même qui dit qu'on va le négocier avec ces voyous, ces criminels dans le sens que oui ou seule façon déposer ça ou connaît ou pas déposer ça. Ou dit oui, dépose des armes et puis faut respecter l'autorité de l'État. Qui autorité de l'État? T'as le qui autorité de l'État on parle? Suspendre grand monde pour des canards sauvages, pour des cons, pour des idiots, pour des imbéciles. Suspendre parce que écoutez, seulement un yen Gary Koni pour descendre pour aller faire assainissement dans ghetto yo, faut ou d'accord négocier à gang yo. Ça dit pas vienne parler français et cetera, ou comprendre? Ça dit sou pa gen même met ak bandi yo. Faut clair dans l'intervention met là. Ou dit ça deux fois déjà. Ou dit oui et cetera comme si parler ou pas la bandi yo, oui. Tendez, ou poser deux conditions. Et son minimum. D'ailleurs pour le boucaner actuellement là, toute intervention monsieur et c'est ça l'a chercher. Son bail qui simple, monsieur il doit dire yo bon monsieur, OK. Ou connait yo vin là et cetera, donne pas les coups de balle tirer dans zone là et ça fait connait ouais là. Temps à temps la fait image pour montrer la fait sociale la bagaille ti moun qui t'est perdu li joine li bail l'argent pour yo ka di la fait sociale son pays difficile tendez bien Gary Koni kounye là écoutez ou poser deux conditions un faut déposer zam impossible pas jamais déposer zam parce que zam yo kachete la l'argent yo et pas ou te ba zam nan m'pa konnen peut-être tout m'pa konnen m'pa konnen si ou te ba ou m'pa konnen ou te ba yol ça dit zam yo c'est l'argent yo achetel ou bien c'est patron qui ba yol donc yo pa ka déposer ça fait un deux ou mandé pour yo respecter l'autorité de l'État. Yo pa jamais respecter parce que nous pas autorité. Kounya si nous voulons respecter nous comme autorité, prouver que nous sommes autorité. Aussi simple que ça.